Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. L'Éternel connaît la voix des justes et la voix des pécheurs mène à la brume. Bien-aimés, face à cette sentence du Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner et lui demander pardon pour tous les péchés que nous commettons de jour en jour. Prions le Seigneur. Au moment où nous entourons la dépouille mortuaire de notre frère, de notre ami, de notre époux, de notre collègue, de notre père, de notre grand-père, de notre frère en Christ. Oui, nos cœurs sont meurtris. Toutefois, allons-nous tirer des leçons par rapport à la vanité de la vie, par rapport à l'éphémérité de la vie. Nous avons inerte dans ces morceaux de bois. Donne-nous, Seigneur, de craindre et de savoir suivre ta parole et d'éviter, Seigneur, tout ce qui peut compromettre notre salut. Parce qu'après cette vie qui nous interpelle au jugement, après cette vie qui nous interpelle à te rendre compte. Mais est-ce que nous aurons à te rendre compte de notre séjour ici-bas? La vénération des défunts, des disciples de bonne aventure, la convoitise, les mots semblables nous minent. C'est pour nous donner, pendant que nous sommes à nos de nous interroger. Oui, de notre analphabétisme, pas parce que nous ne connaissons pas écrire, lorsque nous remontons du haut de cette nuit et que nous revenons en face de notre frère, nous avons déjà appris le bien. Oui, éternel alphabet, nous rentrons faire des choses éternelles que même l'animal ne fait pas. La corruption et tout ce que nous ne pouvons pas citer, c'est notre partage de tous les jours. Aie pitié de nous, Seigneur, de notre destinée. Car, Seigneur, bientôt ce sera notre tour en étant conséquent des actes que nous faisons tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Jésus, par ton Regardez-moi, ô Jésus. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé le mais les gens de
pasteur qui dirige le culte, vous n'avez pas le droit de demander à une croix d'arrêter. Est-ce que c'est compris? Autorité administrative, autorité académique, autorité traditionnelle, autorité religieuse, chers amis, collègues et frères du professeur Wakoubone, par ma modeste voix, la grande famille de cet illustre disparu vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour sur la terre de Sekako. En 1967, Sekako, avec sourire, a suivi la naissance d'un digne fils. On l'a appelé Wakoubone Josué. En 2017, Sekako a suivi une fois de plus l'écho retentir, cette fois-ci, malheureusement, ce digne fils fermer les yeux à la lumière de ce monde. S'il fallait que nous procédions à l'éloge de ce digne fils de Sekako, j'ose croire que des jours ne suffiront pas. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons procéder à quelques témoignages selon l'ordre suivant. Nous allons tour à tour suivre le mot du chef de quartier Sekako. Par la suite, nous allons suivre le mot du représentant de l'amicale de Béla, j'ai nommé le professeur Nyokame Kouranfi. Par la suite, nous allons suivre le mot du représentant de la communauté Banjoun de Tchan. Ensuite, l'allocution de M. le recteur ou de son représentant suivra le mot de la famille Assa Tabou. Viendra le mot de la famille Poné. Juste après, nous allons écouter le mot de Scorsini Alger et nous allons mettre la grèce de Bayasson en écoutant la peur. Nous allons, mesdames, mesdames et messieurs, en ratifiant bien sûr notre carnaval, inviter Sa Majesté, le chef de quartier, Sekako, pour son nom de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Ministre de l'enseignement supérieur, Monsieur le recteur de l'Université de Tchan, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences, enseignants, étudiants, le corps pastoral, mes chers pères, chefs ici présents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos rangs et grades confondus, chers invités, soyez les bienvenus aux obsèques de Table Fouquet, de son nom, professeur Wakoubone Josué, notable de la cour de la chefferie Sekako, enseignant à l'Université de Tchan. Le soir du 22 août fut pour Sekako un moment tristement inoubliable. Des petits recoupements par-ci, des causeries par-là, des chuchotements de part et d'autre, Table Fouquet est mort. C'était incroyable pour moi. Immédiatement après, j'ai appelé son grand frère, Jean-Pierre. Il a fondu en larmes. Le
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour.
c'est un moment assez difficile pour nous de prendre la parole pour parler de notre frère et du passé. Nous allons simplement dire que le professeur Wabo, qui est notre frère, nous a rejoint en tant que membre d'abord de l'association des élèves et étudiants Badjoun de Chang, où il a travaillé d'abord comme étudiant à l'époque. Ensuite, il a évolué pour devenir membre de l'association des hommes Badjoun de Chang. Puis, le ciel aidant et ses travaux aussi, il est devenu membre de l'élite Badjoun de Chang. Et notre frère était, pour parler de façon brève, un bon père. En ce sens qu'il, en faveur de ses différentes positions occupées dans les différentes structures, il assistait et nous aidait à assister d'abord les étudiants. Ensuite, c'est un bon mari. Pas seulement pour sa femme, mais pour toutes les femmes de la communauté. Parce qu'il était toujours là pour écouter. Il était toujours là pour prodiguer un bon conseil. C'était également un bon frère, un bon membre de l'élite, qui ne ménageait aucun effort en dépit des emplois de son emploi de temps très très serré, d'être toujours là, de nous aider à nourrir la réflexion dans le sens du développement de la communauté. Maintenant, nous avons tous constaté avec amertume et beaucoup de regrets qu'à 14h22 du mois d'août, il nous a quittés. Comme nous le disons souvent et nous l'avons entendu dire par les autres, il laisse un très très grand vide qui sera difficile à combler. Mais nous sommes dans une église. Et dans cette église, comme on dit, c'est sous la responsabilité du Tout-Puissant. Et nous avons foi en ce qu'il va nous aider à trouver les moyens pour pouvoir combler ce vide. Il suffit d'y croire. Tout ce que Dieu fait est bon. Et comme c'est dans un instant nous allons le quitter, nous souhaiterons dire d'abord à la maman qu'il a laissé que nous serons là, que la communauté de Chang sera là pour l'assister. Ensuite, aux enfants et à l'épouse, je voudrais, par ma modeste voix, au nom de la communauté, rassurer la femme et les enfants que toute la communauté sera derrière eux pour les assister, pour les accompagner. À notre frère qui s'en va, au mari des femmes, de nos femmes qui s'en va, au père de nos enfants qui s'en va, nous allons simplement lui souhaiter bonne route. Et à ce moment très difficile, nous allons demander au Seigneur de prendre soin de son âme. C'était une bonne personne. Vous allez nous permettre de nous arrêter à ce niveau. Merci. On va vous aider aussi l'ami de ses étudiants. Il était devenu le sel de la terre et la lumière du monde. Il y a fier aussi, bien sûr. Grâce à lui, l'alliance s'est scellée entre les familles. C'est l'occasion pour nous ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
de suivre le mot de la famille à sa table de volonté. Autorité de l'université de Dijon, autorité de l'hôpital de l'université de Dijon, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, merci d'être venus. Vous allez nous permettre de survoler un peu la vie de ce groupe, parce que nous avons connu une vie particulière de ce groupe. Imaginez-vous, je suis, ne s'est pas présenté chez nous, à notre famille, pour demander la main de notre fille, comment on le fait de façon ordinaire. C'était un peu particulier. Nous sommes à l'hôpital en train de lutter entre la vie et la mort de notre fille. Et un bon salut, il se présente à moi et à maman. Il dit que sur le papa, sur le maman, excusez-moi de vous présenter dans ces circonstances. Je suis l'ami de votre fille. J'ai jugé que je ne peux pas l'amener dans ces circonstances. Nous nous connaissons depuis un bon moment et je ne pouvais pas me tenir face à cette maladie. Nous avons écouté cette maladie. Ça nous a donné une grande impression. On a accepté de continuer avec sa semaine. Qu'est-ce que nous avons remarqué? La présence de la contribution morale et physique face à la vie et la mort de son ami. Dieu merci, nous avons oublié ce cas. Notre fille a trouvé sa santé. Elle est à la maison. Quelques jours plus tard, nous demandons à notre fille, ton ami s'est présenté à nous quand tu étais à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, cher papa, cher maman, si vous pouvez me faire honneur et du plaisir, acceptez cet ami pour moi. C'est bon. Nous nous sommes donné la vie et on se bat pour établir et pour bâtir notre vie. Si vous pouvez l'accepter dans la famille, je serai très content. Nous l'avons accepté. Et depuis ce temps-là, nous étions ensemble. Parce que quand nous acceptons le dans notre famille, il fait une membre à part entière de la famille. Que ce soit des moments de joie, que ce soit des moments de malheur, nous avons partagé ensemble. Quelques années, 2 ans plus tard, c'est ma fille qui appelle pour dire papa. Je suis à Douala avec Jésus. Il est malade. Je ne sais même pas s'il va bien. On se déporte, on va à l'hôpital de la Tini. On voit Jésus là-bas, dans un état, si je peux dire, grave. C'est là où nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas affaire à une malade, mais nous avons affaire à deux malades, et pas n'importe quel malade. Nous avons lutté contre cette maladie. Cette fois-là, Dieu merci, on s'en est sorti. C'est vrai, c'est la mère qui appelle à l'âme pour dire que Jésus ne vit plus. J'ai abandonné ce que je faisais. Je me suis mis à route. Tout en prenant les dispositions pour que ma fille se mette au sien parce qu'elle était très bonne. J'arrive, je trouve qu'on a déjà mis Jésus à la mort. C'est comme ça. Alors,
retenir pour ne pas tirer long, c'est que Josué a aimé la famille, Josué a aimé son travail, Josué a été sympathique envers tout le monde. Et sur le plan de travail là, je peux donner un petit exemple pour vous montrer à quelle ampleur il aimait son travail plus que lui-même. C'est ma fille qui appelle pour dire que à Guatemala, pour dire que Josué est très très malade. Après la sortie de la rétine, je me déplace, j'arrive, je trouve Josué plus mince qu'avant, mais avec une large blessure au genou. Très large. Pour qu'on voyait les os, son dinière. J'arrive, je vois, il est couché dans la nuit. Il se relève à peine. J'ai été qui se relève. On est en train de parler de la maladie. Entre temps, un jeune étudiant dont je viens avait envoyé la lettre d'arrêt de suivi au laboratoire de sa mère. On commence sur le sujet de suivi et il oublie la maladie. On ne parle que des souris, l'état des souris au laboratoire. Et finalement, je suis parti et on ne parlait que de la maladie. Vraiment, j'ai secoué la tête tout à l'heure que comment quelqu'un peut aimer son travail, même plus que lui-même. C'était un exemple pour montrer à quelle ampleur il aimait son travail. Bon, qu'est-ce que nous pouvons tirer? Que grâce à cet acharnement au travail, grâce à sa sympathie, grâce à son attention envers les uns et les autres, il a donné du sourire